35 du 100 bébé challenge. J'espère que je crois que je me suis trompée la semaine dernière du coup. Bon, c'est pas grave. Donc on est bien à l'épisode 35 et j'ai toujours mon son pourri, n'est-ce pas? Et normalement, il devrait y avoir un bébé ou une bébé. Donc on avait fait crac-crac avec le taram là, juste histoire de... D'ailleurs, c'est le mec qui se casse. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Enlever la nourriture gâtée, ce sera pas mal. Et tu vas manger ça, ça a l'air encore bon. Allez, ma petite Clémentine, mène-toi la rondelle. Toi, ça va. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler tes enfants. Voilà, discute avec tout ce petit monde. Hop là. Oh, le bide. Oh, waouh, ce gros bidon. Ben, elle en a qu'un, hein. Faut pas rêver, mais voilà, c'est rigolo. Est-ce que tu peux regarder la chaîne pour enfants pendant 3 heures? Regardez la chaîne pour enfants. Allez, vas-y, tu peux le faire. Du coup, Clara, elle dort. Elle est trop mignonne. Allez-y. Ensuite, il ira jeter ça. Non, tu ne peux pas. Jeter, utiliser, voilà. Ensuite, il est 6h du mat, tout le monde dort. Maman, tu nous fais chier, là. Oh, Renan, on va discuter avec eux, voilà. Attends, c'est le petit qui, Fabrice, là. J'ai un gros doute. Non, son père, c'était un punk, je crois. Voilà, c'était lui. Lol. Bah attendez, on va regarder ce qu'il y a comme papa. Donc oui, non mais si je prends le même. Alors elle, Joachim, c'est chiant qu'on puisse pas l'agrandir ça. Ouais, non. Non mais... Bof, c'est qui ça, Paolo, non? Ouais, Paolo Roca. C'était qui nos premiers enfants? Il me semble que c'était Maki. Elle est où? Maki, voilà. C'était qui le premier papa? Ah d'accord, il n'y est plus. Ok, super. Bah, les jumelles, c'était qui leur premier père? Ok, bon, il est mort. Comme ça, c'est génial. Troisième enfant, c'était qui? Je sais pas du tout. C'était qui le troisième enfant? Enfin, le quatrième, du coup. Mais... Je crois que c'était Viviane. C'est qui ton papa? Bof. Ensuite, on a eu notre premier garçon, donc Axel. Juan Mixon. Mouais. Ensuite, on a eu les jumeaux, ça me semble, donc avec le punk. Et puis, il y a eu Xan quelque part avec Joachim le chien. Et puis, Maud. Oh my god, non! Léo. J'aimerais vraiment être avec Dominique, mais il est mort. C'est nul. Isora, c'était avec qui? Ok, bah il est mort aussi. Oh non! Ah bah celui avec qui on a piqué la maison, il est mort du coup. Oh la tristesse. Jérémy, c'était avec qui? Ouais, bah en fait j'aimerais bien un papa un peu emblématique, mais apparemment il n'y a personne. Je fais tout le monde là. Et c'est qui ton père à toi? Harmonie. Tu t'appelles aussi Harmonie, ok. Là, je fais tout le monde, je crois. Bon, ben c'est pas grave. Du coup. Non. Nolwenn, c'est avec qui? Non, Nolwenn, je sais pas où j'ai cliqué là. Paolo Roca, ouais, je sais pas.
Je sais pas, mais c'est pas grave, Clara, tu finiras toute seule. Du coup, il est quelle heure? 6h22. Ok. Donc, il faut qu'elle reste jusqu'à 9h environ. Et peut-être qu'elle aura des jumeaux, mais franchement, j'y crois moyen. Quoi, il y a encore un truc de cassé? Non? Blablabla. Mais, espèce de grosse moche, reste devant la chaîne pour enfants. Voilà, donc on va dire qu'il faut que ça aille jusqu'à 9h. Toi, ma pauvre. Oh là là, le divertissement est trop pourri. Tiens, bah. Il n'y a pas un livre de vie, là, biographie. Allez, bah, tu vas t'occuper avec Elancia, écoute. J'aimerais bien qu'elle vieillisse, par contre, je sais pas quel âge elle a. Je ne sais pas. Quoi là? What? Ok, le sommeil est descendu d'un coup. D'accord. Faut pas chercher. Bah écoute, va te coucher, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, Germaine, va vite t'occuper de ta petite fille. Ok, donc lui, il se casse. Bonjour, je me casse. Parce que si vous vous souvenez pas, pourquoi plus autant? Ah d'accord. Ah ouais, donc les livres, ils m'apportent tout ça quand même. Hein. Quand même. On avait invité Taram pour faire crac-crac, hein, voilà, tout simplement. Tu grandis quand, Elancia? Petit boudin, va. Attendez, je vais quand même vérifier qu'ils grandissent, hein. Je pouvais attendre longtemps, en fait. Je pouvais clairement attendre longtemps. Oh, ce fail. Non, mais je vous jure. Bah, je suis désolée pour ça, les gars. Donc, en fait, mes Sims ne vieillissaient pas. Lol. Là là, je crains. Je crains de ouf. Vendre à un éditeur. Donc, il reste combien de temps à vivre, Clara? Nombre de jours vécus. D'accord, ok. Toi. Oula! Ah, ben non, ça compte pas, puisqu'elle est enceinte, je crois. Et l'entière, on ne saura jamais. Voilà, occupe-toi de ta petite fille. Change la couche, nourris-la. Nourrit-la! Hop. Ma petite Clémentine, tu vas te lever quand même. Hein, parce que bon. Quand même. Prendre une douche. Puis manger un truc. Et ensuite, tu iras faire le jardinage. Ah bah apparemment, il est déjà fait. Enfin, ça a l'air bien déjà. Arroser. Voilà, tu vas arroser. Tu pouvais éventuellement t'habiller parce que bon, voilà. Si je voulais lui rendre visite. Non, par contre, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Oula. Oula, attends. Mange pas ça. Mange pas ça, tu vas t'intoxiquer. Nettoie même. Non, enfin, nettoie pas, mais. Mais what the fuck? Enlever la nourriture gâtée. Du coup, bah, prendre la truc. J'espère qu'on va bientôt avoir le baby. Alors, du coup, je n'ai pas refait de liste, mais je sais qui. Enfin, comment s'appellera le suivant, on va dire.
si c'est un garçon et aussi si c'est une fille. Voilà, passionnant ma vie. Oula, qu'est-ce qu'elle nous dessine, elle? Ah, c'est spécial, hein? Quelle horreur! Regarde! Non, je suis désolée, ce genre d'art ne m'atteint pas du tout. Oh, le bidou. Le bidou que t'as. Accouche, accouche. Et oui, donc, je sais pas si je l'ai dit dans l'autre épisode, mais du coup, j'avais dit dans l'épisode fail, donc celui qui avait pas de son parce que mon micro et le câble de mon micro est mort. grâce au chat qui l'a mangé. Du coup, j'ai plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai enlevé les contenus perso. Voilà. C'est pour ça que Clémentine a changé de tête. Elle est encore crevée! Oh, mais sérieux? Bah, va retourne dormir, hein, qu'est-ce que je te dise? Allez, zou. Bon, après ça, on va s'occuper de toi, ma pauvre. Hop. Va d'abord faire un pissou. Et ensuite, tu prendras. Tu vas cuisiner, tiens. Faut bien que tu cuisines un peu. Ouh, le sale bête! Ouh, une sale bête qui squatte! Pauvre chat. Mon chat. Mais pousse-toi, gros qui, je vois plus l'écran. Mais il a tout pour m'énerver, ce chaton. Hein. Voilà, c'est bien, maintenant les gens ne me voient plus. Ouh, les bébés chats. Bon, pousse-toi, je vois plus. Allez, zou. Petit con. Petit con. Et mange pas mes câbles. Hein. Non, mais oh. Petit rigolo. Bah. Aïe, 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 ce chat. Allez, Clara. Fais donc à manger. Didadidadum. C'est vrai qu'il y a des nouveaux, des nouvelles recettes grâce au restaurant, au pack au restaurant. J'ai cru que la poêle allait tomber. Balai! Ah, oh, ça me donne faim. Oh, j'ai faim. J'ai faim, mais de toute façon, j'ai rien à manger. La tristesse. Donc, c'est bon. Est-ce que tu peux appeler tes enfants comme ça? Tu discutes un peu et puis ensuite tu iras te coucher. Toi, lève-toi. Oh, vite, vite, va faire pipi. Vite. Ça me gratte l'oreille, je suis désolée. Eh ben vas-y, au lieu de te tortiller, espèce de débile. Oh! C'est la maman, là, hein? My God, ce bide. Waouh! Bon, après, c'est peut-être parce qu'elle est assez fine, donc ça fait trop bizarre. Non, mais il n'y en a qu'un là-dedans. Hein. Nous ne nous faisons pas de fausses joies. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai complètement fail, là, j'ai qu'il y a au moins 3 jours qui sont passés et lundi aurait dû grandir. Donc, si le bébé veut bien pointer le bout de son nez, eh ben, on fera grandir Elantia en fait quand l'autre petit arrivera. Voilà. Ça me chafouine tout ça quand même. Allez Clémentine, il faut que tu pendes ton chiard là. Bon, ensuite tu vas te coucher. Dormir. Allez, zou. Qu'est-ce que tu vas faire, ma petite Clémentine? Tu vas faire une toile. Tu vas faire même plusieurs toiles. Allez, go. J'ai fait une toile moyenne, c'est pas grave. Oh, je peux plus. Zut. On va mettre de l'encens, concentration, paisible, évocateur, tiens. C'est quoi ce truc? C'est trop mignon! Oh! On dirait un Pokémon.
Ah oui, elle n'est pas de en peinture. C'est vrai que je voulais la faire pirater à la base, mais ce serait pas mal si elle a un peu de peinture quand même. Niveau 3. Mon Dieu, ce lapin me fait flipper. C'était l'ami imaginaire dans les Sims 2, ce me semble, et à chaque fois qu'il arrivait, j'étais mal à l'aise. Voilà, c'est génial de savoir ça. Clémentine, tu vas aller pirater maintenant. Alors, on voit rien à cause de ma caméra, c'est génial. Ruru va passer. Ah oh oui, Ruru tout nu. Bon, je m'habille. Zut. Je galère, m'habille. Ouais, je vois ça. 3 heures pour mettre un t-shirt. Salut. Non. Mais mon homme ne m'aime pas. Si. Par contre, fais un peu moins de bruit parce que. Enfin, fais pas trop. Enfin, essaye de pas faire de bruit parce que c'est. Du coup, j'ai pris le micro de ma caméra et le son va être. Oh, mais regarde les paves là. Il y a Ecstasy qui sort du bureau de Rudolph. Complètement retournée. Oh la gueule qu'elle a. Elle est grave cette chatte. Une fois que tu auras piraté, on va peut-être pas s'entraîner, on va s'occuper de l'autre chieuse. Oh, on n'en peut plus d'elle. Et on ira manger. Mangiare. Ça c'est bien ça. Elle pirate des sites, donc elle se fait un petit peu d'argent. Oh! Attends. Clémentine peut désormais créer des virus. Bon, ça, ok. Elle peut aussi pirater les notes du lycée. Vous pensez qu'elle pourra faire ça pour ses gosses? Et comme ça, ils vieilliront plus vite! Oh! Faut que je vois. Faut que je vois. Faudrait que je. Oh! Elle accouche! Elle accouche! Non, d'abord, tu vas t'occuper de ta fille. Voilà. Et ensuite. Ensuite, ben on va aller à l'autre. Oula, Clara qui va pas bien. Oh, Clara. Va te laver. Voilà. Ça ira mieux après. Ben on va peut-être accoucher, hein. Avoir un bébé à l'hôpital. Ah, il y a super le chat qui miaule. Oh my god. Oh, ce chef-d'œuvre artistique. Il me le faut en papa. Oh oui. Oh oui. Mon chat! Qui miaule tout le temps, c'est normal. Il n'est pas maltraité, c'est juste qu'il n'est pas fini, c'est tout. T'es pas fini, gros gal! Non, il est mignon. Putain, mais lui, il faut trop qu'on le drague, lui. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux te draguer? Tiens, demande-lui si essayé. Il est en train d'accoucher, mais c'est pas grave, quoi. Oh non! Non! Il a foutu un râteau! En plus, il est célibataire, ce troufion. Vas-y, on se casse, on va accoucher, nous. Allez, viens là, toi. Bon, bah, je vais accoucher, salut! Allez. Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Elle se fait accoucher. Elle se fait accoucher par son père. Non mais j'avais pas remarqué, mais lui, c'est son père à Clémentine. T'imagines? Allez, vas-y, ma fille, c'est bien. Ok, c'est très troublant. Donc, ce sera donc Kéraline, ma petite saucisse. Il n'y en avait qu'un, évidemment. Je pense que ça suffira, hein, vu comment ils sont chiants, ces gosses. Et voilà! Le bébé! Ah bah, elle est blanche comme un cul. En même temps, son père est blanc comme un cul, ça me semble.
C'était qui le père? C'est Geoffrey. Geoffrey Gallucci. D'ailleurs, qui a les mêmes pattes, enfin les mêmes rouflaquettes que Harmonie, du coup je les confonds tout le temps. Et oui, c'est cool ma vie, n'est-ce pas? Donc c'est cool parce que Clémentine aura toutes les barres en verre. On va vieillir Elantia et ensuite on fera la vaisselle. C'est cool, hein? Il est quelle heure? Eh ben, on fera ça dans le prochain épisode puisqu'il est temps de se laisser. Je vous fais plein de bisous et salut!